Vous les connaissez bien, les Lensois, vous êtes surpris par leur réussite? À vrai dire, non. Non, parce que bon, c'est un groupe qui est très solidaire, qui a énormément de qualité, qui n'a pas été modifié énormément depuis quelques années, donc qui progresse et où il y a une entente parfaite aussi sur le terrain au niveau du jeu. Alors c'est peut-être le moment de rappeler que vous avez quitté Lens dans des conditions particulières, hein. Vous aviez été viré, je crois qu'on peut le dire, pour manque de résultats, en plein milieu de la saison. Est-ce que vous gardez une rancune envers les dirigeants lensois? Non, franchement non, envers les dirigeants non, pas du tout. Bon, c'est vrai que ça se passait très bien, un petit peu comme ça se passe à Metz actuellement, et puis bon, du jour au lendemain, je veux dire, Mérieux a été remercié parce qu'il n'y avait pas de résultats. J'en veux à personne et bon, la preuve c'est qu'ensuite j'ai bien rebondi avec la Suisse, ça m'a fait énormément de bien et puis maintenant le fait de revenir en France, je crois que c'est une grande satisfaction. Vous avez joué à Sion, vous avez été champion et vous avez gagné la Coupe de Suisse également. Le doublé, oui, c'est ça. Alors, alors que M. Glochon vous adresse un carton, vous récupérez son petit carnet, vous lui subtilisez et M. Glochon n'arrive pas à inscrire le carton qu'il voulait vous mettre. Et je crois que vous allez être suspendu pour ça, c'était plus facétieux que méchant, non? Oui.